Le titre de la conférence, c'est un titre approximatif, là, parce que c'est l'inconfort de ne pas être ce que l'on veut être, ou l'inconfort de ne pas avoir été ce qu'on aurait voulu être. Puis, je vais l'étudier à partir d'une lecture tout de suite pour bien s'aligner. Disent que l'homme ne peut être dans la vie que ce qu'il est marqué pour. Disent que comprendre ceci ou accepter ceci, ou comprendre ceci est une réalité très difficile à accepter, parce que l'ego, à cause de sa réflexion, interfère ou veut interférer avec sa programmation. La programmation est une autre dimension de la réalité humaine qui est difficile à accepter, parce que l'ego croit en un libre arbitre. Alors que le libre arbitre est une illusion universelle de l'âme, alors que l'homme doit un jour le dépasser, le libre-arbitre, ou en dépasser l'illusion psychologique pour en arriver éventuellement à être libre. L'inconfort de ne pas être ce que l'on veut ou ce que l'on aurait voulu être, c'est une réflexion de l'ego. Et en tant que tel, n'a aucune valeur fondamentale, dans le sens que seul l'ego peut ou ne peut pas traiter avec cette illusion-là. Un ego qui a très conscience des lois occultes de la vie n'a pas de problème avec ça, cette condition-là. Mais un ego qui n'a pas conscience des lois occultes de la vie peut avoir des problèmes avec cette condition-là. Et certaines personnes ont des graves problèmes avec cette condition-là. Ne pas être satisfait avec sa vie engendre d'autres insatisfactions. Et l'homme peut s'amener au cours des années sur un train qui mène nulle part. La question que je pose, c'est est-ce que l'on peut faire ce que l'on veut? Si vous pouvez faire ce que vous voulez, dans la mesure où vous avez une volonté équivalente, pouvant vous libérer de vos craintes. Si l'homme ne se libère pas de ses craintes, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Puis d'ailleurs, vous regardez les gens dans la vie qui ont fait des grandes choses, qui ont bâti des grands empires, des grandes corporations, des grands ci, des grands ça. En général, ce sont des gens qui avaient très, très peu de craintes. En langage commun, on dit, ils sont capables de défoncer les obstacles, passer à travers les obstacles, et ainsi de suite. Alors, le facteur de crainte chez l'ego, c'est un facteur qui doit être investigué pendant des générations, parce que c'est très, très occulte, la crainte. Et c'est très personnel chacun de nous, ça varie selon chaque individu. C'est une catégorie de conscience existentielle extrêmement spécifique à l'âme. Il y a des gens qui ont des craintes pour certaines choses, pour d'autres, ce sont absolument pas des craintes. C'est très, très variable, la crainte. Et c'est à travers la crainte que l'homme est astralisé, c'est à travers la crainte que l'homme perd sa volonté, donc c'est à travers la crainte que l'homme éventuellement ne peut pas faire ce qu'il veut.
La question que je pose, parce que c'est des questions d'ordre philosophique ou d'ordre psychologique que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un déterminisme sur la Terre? Est-ce qu'on est voué à telle chose, tel palier de vie, telle façon de vivre, etc.? Ils disent, vous êtes voué, oui, parce que tout est écrit, mais ils disent, si vous ne réfléchissez pas, autrement dit, s'il n'y a pas de réflexion au niveau de l'ego, à ce moment-là, vous ne vivez pas la déception. Donc, c'est toujours la réflexion de l'ego qui est l'ombrage. C'est toujours la réflexion de l'ego qui est le talon d'Achille de l'homme, qui est la faiblesse de l'homme, qui est la source de son impuissance et l'insaveur de sa vie. Il dit, pleurez sur ce que vous n'avez pas réussi à faire. Il dit, c'est exercer votre droit à vous plaindre. L'homme a le droit, apparemment, de se plaindre. La preuve, c'est qu'il se plaint. Mais il dit, vous plaindre. Il dit, ça vous instruit seulement de vos incapacités. Ça ne vous en donne pas. C'est intéressant, ça. Ça vous instruit vos incapacités, mais ça ne vous en donne pas de capacité. Voir la vie à partir des plans, c'est évident que ce n'est pas comme nous autres, les hommes, on la voit. C'est sûr. Mais la solution est là. Ils disent l'inconfort de ne pas avoir réussi ce qu'on veut en général, c'est pas mal universel, parce que la plupart des hommes sur la Terre ne réussissent pas ce qu'ils veulent. Puis il dit même ceux qui réussissent ce qu'ils veulent ou qui ont réussi ce qu'ils veulent ont d'autres comptes à rendre. Il dit la vie sur la Terre n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être éclairée. Il dit l'inconfort de ne pas être ce qu'on veut, ainsi de suite. C'est une grande illusion de l'ego. Mais il dit aussi c'est une grande, grande perte d'énergie. L'homme perd beaucoup d'énergie dans ce travail-là de réflexion. Ma question, donc, c'est comment faire ce qu'on veut? La réponse qu'il donne, c'est que l'homme doit se distinguer de ses ambitions et se créer ou chercher à se créer un pavillon de paix. Autrement dit, si l'homme est un petit peu évolué, là, il se distinguerait de ses ambitions. Donc, des ambitions, il n'y aura pas ça. C'est purement psychologique, une ambition. C'est purement égoïque. Tu peux être créatif, mais pas nécessairement avoir d'ambition. Ça, c'est difficile à comprendre. Et dans ce processus-là, l'homme se créerait un pavillon de paix. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il repose sa vie où il mesure sa vie seulement avec de l'ambition. Prendu un certain âge, là, mais ça commence à... L'ambition commence à diminuer parce qu'il n'y a plus les forces vitales, et ainsi de suite. Puis il n'y a plus l'inconscience, il n'y a plus les illusions de la jeunesse. La question que je pose, est-ce que l'ambition est bonne?
Il dit, c'est l'ambition nécessaire quand vous n'avez pas d'autre chose qui la remplacer. Ça va être intéressant ce qui va venir après, je le vois venir. L'ambition est bonne tant que vous n'avez pas d'autre chose pour la remplacer. Comment est-ce qu'on remplace l'ambition? Ils ont remplacé l'ambition par un processus créatif qui nous remplit. Ce qui veut dire quoi? Un processus créatif qui est parfaitement adapté à notre conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est réellement l'expression de notre être. Donc, quand un processus créatif qui est réellement l'expression de ton être, plus besoin d'ambition. Quand tu n'as pas un processus créatif qui est l'expression de ton être, tu as besoin de l'ambition pour compenser, parce que tu as besoin d'une grosse énergie astralisée, des grandes forces de l'âme pour te propulser dans le monde. Puis à ce moment-là, ben, tu es confronté à toute une dynamique sociale, société, dépendant dans quelle société tu vis. Là, tu es en compétition avec le monde, au lieu d'être simplement seul dans un processus créatif. Ou tu mets le monde en vibration, au lieu d'être en compétition avec le monde. Puis ruiner ta vie, ruiner ta santé, etc. Puis vivre des éclats d'obus. Je lisais un article dans Vanity Fair, le baron von Tessin, qui est mort en 1994, issu d'une famille allemande richissime dans l'industrie de l'acier. Puis sa vie, ça a été un fiasco de son point de vue à lui. Ça a été très riche. Puis sa faiblesse, c'était les femmes. Puis, il avait tellement peur d'être seul dans la vie que quand il en rencontrait une, il y a marié. Pouf! Quand ça ne marchait plus, il y a marié un autre. Paf! Il ne marchait plus, il y a marié un autre. Paf! Puis il fait ça, il a eu jusqu'à 5 femmes. Puis chaque femme lui a volé sa fortune. Il a eu des enfants, à gauche, à droite. Des enfants qui appartenaient, des enfants qui appartenaient pas. Autrement dit, un vrai gâchis de vie. Puis on se pose des questions. Comment ça se fait que des gens aussi riches, aussi proches de la noblesse, et ainsi de suite, qui ne sont pas capables de s'organiser pour avoir des vies qui ont allure, des pavillons de paix? Parce que l'homme ne sait pas vivre. C'est pas parce que t'es riche que tu sais vivre, c'est pas parce que t'es belle que tu sais vivre, c'est pas parce que t'es 6 pieds 4 que tu sais vivre. Si t'as pas d'esprit, t'es fait à l'as. C'est rien de l'âme qui run le show. T'as des beautés, des modèles, des beautés qui se droguent à cocaïne, sont pas capables de vivre. Comment est-ce que tu fais que des belles femmes sont pas capables de vivre? Puis se créer des pavillons de paix parce qu'il n'y a pas d'esprit. C'est rien de l'âme. On est poussé par l'âme tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Baron von Tessin, poussé par l'âme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis nous autres, on veut être comme eux autres. On veut être des beaux modèles, on veut être des barons, on veut être des ci, on veut être des ça. Fait qu'on s'en projette des illusions. C'est abominable. Fait que l'autre bord, ils ont du fun. Est inconfortable, il dit, parce qu'on n'a pas atteint nos buts, il dit dans la vie. Il dit, c'est une femme. C'est une femme d'égocentrisme. C'est une femme d'égocentrisme. Là, je leur pose la question, bien, chaque être humain, dépendant de sa disposition psychologique, culturelle. Sur le niveau d'éducation, et si tu devrais pouvoir se tailler un morceau dans la tarte sociale, la réponse, c'est il dit, c'est vrai que tout être humain voudrait se tailler un morceau de la tarte sociale, mais ça ne veut pas dire que chaque être humain amènerait à bien son action. Quelqu'un dira, bon, j'aimerais ça être médecin, mais ça ne veut pas dire que tu vas être un bon médecin. Donc la projection de l'ego par rapport à la médecine, ça c'est une projection de l'ego. C'est comme la fille qui dit, j'aimerais ça être une actrice, ça veut dire qu'elle est une bonne actrice, ça veut dire qu'elle va être capable de supporter
supporter le regard du monde sur elle à chaque fois qu'elle sort d'un restaurant. Il y a des gens qui ont une vibration, puis ça, pas tout le monde. Fait que tu ne peux pas vivre la vie des autres. Le plus grand danger à la société moderne, c'est que le marketing est tellement fort que les gens s'imaginent pouvoir vivre la vie des autres. L'engouement pour l'autre, l'engouement des hommes pour les CEO qui font des millions, l'engouement des femmes pour Bellucci. On est toujours dans l'engouement pour les autres. C'est quoi ça, ta maman? Il dit parce que vous n'avez pas d'identité. Il dit ce que les autres sont, c'est leur karma, c'est pas le bon. Chacun a son karma, Bellucci a son karma. Elle va vieillir un jour, elle va arriver à 65 ans, Bellucci. Ce qu'elle va faire, c'est elle va passer d'esprit, puis elle est obligée de supporter un corps qui est en train de se fripper. Parce qu'elle a fait un assiste quand son fils est mort, il a commencé à descendre. Quand toute la haute société américaine, européenne, internationale s'est mise contre le fait qu'il avait marié le Kennedy. Comment ça qu'on ne prend pas l'expérience? On ne prend pas l'expérience de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas? Il dit, vous ne regardez pas, il dit, parce que vous êtes aveugle de vous-même. Il dit, vous n'êtes même pas capable d'apprécier vos propres vies. Fait comme vous n'êtes pas capable d'apprécier vos propres vies, vous êtes toujours dans le théâtre des autres. Pour regarder la vie des autres, apprécier la vie des autres, comparer la vie des autres avec la vôtre. Je comprends que le monde déprime. Surtout à la fin du 20e siècle, avec les millions qui flottent, puis les beautés qui se promènent, puis tout ce qui se passe, puis tout le panache, puis tout le hype américain. Il dit, le drame des hommes, c'est de ne pas vivre leur vie. Ça, c'est le drame des hommes. Il dit, être inconfortable parce qu'on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Il dit, c'est la quintessence, il dit, de la stupidité. Il dit, si vous parlez avec nous autres, on vous corrigera ça tout de suite. Mais il dit, vous ne parlez pas avec nous autres, vous pensez. Il dit, être inconfortable parce qu'on n'a pas réussi ce qu'on a voulu. Il dit, c'est regarder un processus irréversible. Puis il dit, ce qu'on doit faire quand on est devant un processus irréversible, il dit, c'est s'élever au-dessus de lui. Parce que si vous ne vous élevez pas au-dessus du processus irréversible d'avoir pas réussi votre vie, vous allez être malheureux, vous laissez en bougeant. Vous allez vous passer du cul, vous allez descendre vos jours. Vous allez en souffrir, vous allez descendre vos jours. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les jeunes? Comment est-ce que les jeunes doivent approcher la vie? Il dit, les jeunes doivent approcher la vie, premièrement, en allant à l'école. Se chercher une éducation. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'éducation, c'est monnayable. Parce qu'il dit, puis il dit que ça vous donne des atouts spécifiques à votre personnalité. Puis il dit, dans ce processus-là, vous avez plus de chances que l'opposé d'en arriver à faire ce que vous voulez ou approximativer ce que vous voulez. Il dit, sans ça, il dit, vous êtes obligé de vivre
au niveau des détritus sociaux. Si vous n'avez pas de formation intellectuelle. On vit dans une société complexe où l'éducation fait partie des paramètres socioculturels. Il dit quoi? Là, ils font un comique. Là. Il dit combien de jeunes? Il dit, mettre l'éducation de côté pour une bonne vieille. Ce qu'il veut dire, c'est pour avoir du fun. Il veut avoir du fun. Il veut s'amuser, avoir du fun, courir avec les filles, papa. Ça, c'est bon, t'es jeune. Ça ne paye pas à long terme. Il dit, allez chez l'éducation, il dit, c'est une forme de volonté forcée. Quand tu rentres dans un système éducationnel, tu vas à l'université chercher un doctorat, une maîtrise, n'importe quoi. C'est une forme d'éducation forcée. Tu es forcé par le système de. C'est une sorte de volonté qui t'est imposée d'aller le faire. Si tu n'es pas capable de rentrer dans cette traque-là, ben, tu débarques. Puis... Et tu ne veux pas dire que si tu n'as pas d'éducation, tu ne peux pas réussir. Les gens qui n'ont pas d'éducation réussissent très bien. Mais ils vont aller chercher l'équivalence par l'expérience. Fait que si tu n'as pas d'éducation, tu as l'expérience. Si tu as l'expérience d'éducation, mais tu es riche. Si tu n'as ni un ni l'autre, tu as un gros problème dans une société comme aujourd'hui. Et après ça, tu te dis, bon, comment ça, je n'ai pas réussi ma vie comme je dois faire? L'homme doit composer avec la vie. Pour composer avec la vie, il faut qu'il compose avec ses forces. Mais ses forces, c'est pas suffisant. Parce que ses forces, c'est des talents. Parce que c'est pas suffisant. Il a besoin d'une volonté inaliénable. Il y a des gens qui ont la volonté, c'est ceux qui ont passé à la guerre. La guerre d'Algérie, la guerre européenne, la guerre, ils viennent ici, c'est un parking pour eux autres. Oui, les Italiens qui arrivent ici après une génération, ils ont deux maisons, trois maisons, quatre maisons, nous autres, on leur paye des loyers. T'sais. Même chose pour les Juifs. Nous autres, on est sur la dose sociale. Il dit souffrir à un niveau ou à un autre dans la vie, il dit, c'est pas une nécessité, mais il dit, c'est un grand besoin. C'est pas une nécessité, mais c'est un grand besoin. Parce que si t'es moindrement évolué, puis tu souffres, tu as souffert, puis t'as raison, puis t'es évolué, tu veux t'en sortir. Donc tu manifestes quoi? La volonté de t'en sortir. Puis t'en arrives éventuellement à te greffer à ton... Est-ce que tu veux faire? Faire ce que tu veux faire. Approximativement, faire ce que tu veux faire. Je ne veux pas dire que tout va être parfait, mais au moins, tu vas y aller. Il dit, les gens qui n'acceptent pas un certain niveau de souffrance dans la vie ne peuvent pas avoir une mesure de leur volonté. C'est un petit peu comme les gars qui font des Jeux olympiques. Le gars qui a la médaille d'or a une mesure de sa volonté parce qu'il y a une mesure de la souffrance qu'il est obligé de vivre pour en arriver là. C'est vrai. Il joue au hockey. Des fois, oh, ces gars-là, ils font de l'argent, ils font jouer au hockey. Les petits Brésiliens qui sont sur la plage, là, qui jouent au basket, là, ou au foot, là, depuis qu'ils ont 5, 6 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec l'espoir d'un jour de play. They'll make it. Ils veulent maîtriser la ballonne. Ils font de la magie avec la ballonne. Et un jour, ils sont spotés. Paf! La volonté de contrôler la matière.
Il y a de la souffrance là-dedans, il y a de la pauvreté, l'angoisse de ne pas réussir. Il dit l'homme qui ne comprend pas la souffrance liée au fait qu'on ne connaît pas le temps ne peut pas en arriver à la maîtrise du temps. Il peut avoir une certaine souffrance pour en arriver à maîtriser le temps. Autrement dit, maîtriser tous les événements qui viennent dans la direction pour en arriver finalement dans le creuset de l'expérience. À faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut. Mais c'est quoi ça, faire ce qu'on veut? Ça, c'est intéressant, cette affaire-là. Il dit faire ce qu'on veut, il dit c'est être à la fine pointe de notre esprit. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire être capable de projeter notre intelligence dans le monde. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire faire la double action de mouler notre désir et notre volonté. Mouler notre désir et notre volonté. Mais la question que je leur pose, comment est-ce qu'on peut être sûr que notre désir est correct? Il dit, votre désir, il dit, c'est qu'une plateforme pour vous projeter. Il dit, vous ne pouvez pas connaître les conséquences de votre désir. Parce qu'une affaire, c'est une affaire qui mène à une autre affaire, qui mène à une autre affaire, qui mène à une autre affaire. La seule chose qui est constante dans ce tandem-là, c'est votre volonté. Tu perds ta volonté, tu es faite. Tu perds ton désir, c'est pas grave, tu vas en avoir un autre. Ils vont te reconnecter à un autre parce que la pensée, ça continue, sa pensée, ça continue, sa pensée, ça continue. Ça se modifie. Le regard sur la vie se modifie. Mais tu perds ta volonté, tu es faite. Tu n'as pas eu de job depuis 5 ans, tu te décourages, tu es faite. T'es fait. Mais tu n'as pas eu de job depuis 5 ans. Tu veux continuer dans ce domaine-là, ou un domaine parallèle, ou tu veux péter les barrières, mais tu ne perds pas ta volonté. Éventuellement, tu vas réussir. Il va se faire une connexion. Ils sont obligés de s'asseoir à ta table. Il y a des positions planétaires, il y a une programmation. Tu passes à travers les cycles. Éventuellement, il faut que ça pète. Tu peux pas être. Il dit, vous ne pouvez pas être retardé toute votre vie. Mais, vous pouvez vous retarder toute votre vie. Celle-là, je l'aime. Tu ne peux pas être retardé toute ta vie, mais tu peux te retarder toute ta vie. Question? Il dit dans le sens que vous devez réaliser en tant qu'être que vous avez la capacité de redéplacer vos atouts. Bon, je vais l'expliquer, l'expliquer. Je regarde dans ma situation parce qu'il faut que je me prenne comme exemple. Je me comprends mieux. Si j'avais un accident ou je ne sais pas moi, si je perdais la parole ou la capacité de parler comme je parle ou d'écrire, whatever it is, je ferais quelque chose. Je m'ouvrirais une petite salle quelque part, je mettrais des tables d'échecs parce que j'aime ça les échecs, puis je vendrais du café, puis je me ferais assez d'argent pour vivre. Ou j'irai au Mexique, puis je me ferais quelque chose dans le désert avec une petite... Je me ferais quelque chose. Je pleurerais pas le fait que je suis plus capable de parler ou je suis plus capable de remplir le rôle de ce personnage-là que j'ai créé. Je déplacerais mes atouts. J'irais chez vous dans ton restaurant. Je dis, tu me donnerais-tu une job? Je m'en lavais à crise de vaisselle jusqu'à temps que j'achète ton restaurant. Tu comprends-tu? Mais je ferais quelque chose.
pas faire quelque chose, pas être capable de faire quelque chose, être barré, se sentir barré. Je vais l'étudier avec eux autres, ça, parce que c'est des choses qu'on ressent dans la vie, ça. Ils disent que ne pas sentir d'ouverture dans notre vie, ils disent que c'est un cloisonnement astral. C'est l'astral qui cloisonne l'âme. C'est impossible! C'est une impossibilité psychique, vibratoire, créative, de ne pas voir des dizaines d'alternatives. C'est impossible. Au niveau de l'esprit, je parle. Je ne parle pas au niveau de l'âme, de l'astral. Je parle au niveau du plan mental, c'est impossible. C'est impossible. C'est psychiquement impossible. D'ailleurs, la vie, c'est un continuum de possibilités. C'est au niveau de l'âme qu'il y a un cloisonnement. C'est qu'ils disent ça. Puis ils disent, le cloisonnement de l'âme est à la base de la souffrance de l'ego dans une société, et surtout dans une société complexe comme aujourd'hui on a. C'est pour ça que moi je dis toujours aux jeunes, allez-vous à l'école, à l'université, apprenez n'importe quoi. Les gens disent, ben oui, mais ça, c'est, je sais pas où aller, j'ai dit, va n'importe où! Apprends de la science des bébites, ça va te mener à d'autres choses, n'importe quoi! Le gars, il veut toujours être, il veut être tout de suite sur sa ligne. On n'est pas en 1955, là, avant Révolution tranquille, quand tu avais trois jobs. Médecin, curé, puis avocat, puis éducateur. Aujourd'hui, il y a une panoplie de choses. Les jeunes sont mélangés. Crissez-vous dans le bain de l'éducation, si vous n'êtes pas sûr, puis essayez d'apprendre le plus proche de choses que vous pensez que vous aimez, puis si ça floppe, inquiétez-vous pas, mais allez chercher vos affaires. Allez chercher votre BA, allez chercher votre maîtrise, puis avec le temps, c'est comme la température, les nuages vont se dissiper, puis un jour, il va y avoir le soleil. Regardez les secteurs, si vous êtes des gars, vous avez un petit peu de facilité avec certaines choses. Regardez les computers, dans mon temps, c'était l'engineering. En 58, tout le monde s'en allait en engineering, parce que aux États-Unis, ils avaient découvert les transistors. Ben, tu t'en allais dans l'engineering, tu t'en allais dans la prêterie, c'était fini cette affaire-là. Regardez ce qui se passe. Mais tombez pas dans l'illusion que vous allez aller en ligne droite. Oubliez ça, la ligne droite. Occupez-vous de la ligne. Il y en a qui sont chanceux, ils ont la ligne droite. Ouais, puis qu'est-ce qui arrive plus tard, whoop, ils sont plus intéressés. Moi, je connais des médecins qui veulent plus pratiquer de médecine. Les autres vont dire, tu es fou, médecin. Ils sont écœurés, ils en souffrent, ils veulent sortir de là. Ah, ils ont été chanceux quand ils étaient jeunes. Ils payent un médecin, ils prennent le gars, est allé en médecine. Ils payent ta fille, le gars est allé en faire une lit. Mais c'est qu'est-ce qui arrive quand le gars se réveille, puis c'est pas la médecine qui va être. Oubliez ça, la ligne droite. Occupez-vous de la ligne. Prenez le subway, Chris. Une fois que vous êtes dans le subway, vous êtes correct. Oubliez où est-ce que ça s'en va, le subway. Il va aller quelque part. Ça mène toujours quelque part, le train bleu. Le train bleu, il mène toujours quelque part. Oui. Pardon? Ah, ben c'est sûr que c'est lié à la crainte. Regarde. La crainte, c'est le cloisonnement. Un homme qui n'est pas cloisonné, il n'en a pas de crainte. Bonne scène que je disais à soi, sa crainte, c'est d'être seul dans sa vie. De ne pas avoir de femme dans sa vie. Un milliardaire qui a peur de ne pas avoir de femme dans sa vie. Il y a 75 millions de femmes qui le veulent.
Mais lui, il a peur de ne pas avoir de femme dans sa vie. Faut-il être con? Fait que le cloisonnement, c'est de la crainte. On devrait étudier ça de la crainte jusqu'à la fin de nos jours. C'est extraordinaire. Je vous en donne des couches, des échantillons. Ils disent qu'un aspect de la crainte, ils disent que c'est l'incapacité. Comment est-ce que c'est ça? Dans la difficulté qu'on a d'être seul, c'est de la crainte. Un gars là, qui vit à Saint-Tite, qui n'est jamais sorti de Saint-Tite toute sa vie, puis que la compagnie femme, il faut qu'il se trouve une job à Montréal, sais-tu qu'il y a des gars qui vivent de la crainte? À Saint-Tite, il y avait toute la famille, tous ses chums. Là. Aller à Montréal, tout seul. Aller à New York, tout seul. Aller à Paris, tout seul. Aller dans le monde, tout seul. La crainte. Ça, c'est de l'englobement, c'est de l'astral. C'est ça qui nous bat, qui nous crée des limites. Ça fait partie de notre programmation. Il faut qu'on casse ça, cette affaire-là. Il n'y en a pas de job là, tu prends ton corps, tu l'amènes là. Ben! Les immigrés, c'est ce qu'ils font. Ils partent des guerres, ils partent des terrains de guerre, puis ils s'en viennent, puis ils déménagent, ils s'en vont dans les bateaux, ils se mettent dans des cales de bateaux, Chris, pour arriver ici. Après ça, on se demande que pourquoi est-ce qu'après une génération ici qui nous possède, je comprends. Ils l'ont fait sauter la graine. Un autre aspect de la graine. Ils disent la graine, c'est l'inconscience de notre moi, c'est la graine. Mais quand ils disent l'inconscience de notre moi, là. Ce qu'ils veulent dire, c'est l'inconscience d'eux autres à travers nous autres. Ils parlent du grand moi, là. Fait que quand tu es inconscient du grand moi, le phénomène d'être inconscient du grand moi, c'est de la crainte. Donc l'humanité vit dans de la crainte. L'évolution, c'est de la crainte. C'est pas une crainte qu'on s'impose. C'est une crainte qui est le résultat d'un conditionnement culturel qui date depuis des siècles. Mais c'est de la crainte. Il dit, la crainte, c'est pas seulement de la crainte dans le sens qu'on le conçoit. Il dit, c'est n'importe quelle forme d'empêchement. N'importe quelle forme d'empêchement, c'est de la crainte. N'importe quelle. Fait qu'un homme qui n'a pas l'empêchement, parce qu'il a conscience de son moi, autrement dit, il est dans son intelligence créative. Il va toujours faire dans la vie ce qu'il veut. Il ne va jamais réfléchir dessus parce qu'il n'est pas en réflexion, donc parce qu'il n'est pas astral. Donc, il n'y aura jamais de problème d'être dans l'inconfort de ne pas avoir réussi ce qu'il a fait. Quand il va être tenu de faire ça, il va faire d'autres choses. Quand il va être tenu de faire ça, il va faire d'autres choses. Il va être tenu de faire ça, il va faire d'autres choses. Mais il va toujours être satisfait de ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte. Il dit, la crainte, c'est la désarticulation de l'esprit à travers l'ego. N'importe quel niveau de désarticulation de notre esprit, donc de notre moi universel, de notre conscience créative à travers l'ego, c'est de la crainte. Il dit, un homme n'est pas supposé de se sentir petit. À quelque niveau de l'échelle sociale il est, un homme n'est pas censé se sentir petit parce qu'il n'y a pas de petitesse dans l'esprit. Mais s'il est dans l'âme, c'est sûr qu'il va se sentir ticu. Mais s'il est dans sa centricité, son identité, un homme ne peut pas se sentir petit. Si tu ne te sens pas petit, ben, tu vas pas t'occuper des grands. Tu n'as pas de problème des grands. Il répète, la crainte, c'est inconsistant avec l'esprit.
Oui, je suis quasiment mort de 4-5 ans. J'avais eu de la crainte vraiment, c'est sûr. Je pouvais même plus respirer. Okay. T'arrêtes ça, là. Que tu sois malade, c'est correct. Mais que tu aies de la crainte, c'est pas bon. Tu devrais être malade. Des bébites qui se promènent. T'as de la crainte. Parlez-moi pas, comme pas de vie. Pose-moi des questions. Il dit, l'inconfort de ne pas être ce que vous voulez, il dit, c'est dû à votre incapacité de saisir votre essence. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, votre essence, il dit, c'est... Il dit, c'est quand vous êtes bien malgré tout le reste. Quand tu es bien, malgré tout le reste, il dit, c'est ton essence. Bon, je vais donner un exemple. Si quelqu'un vient à moi et il dit, bon, ben, je m'étais acheté un beau Porsche. Il m'a dit, bon, je suis bien content pour toi, c'est un beau char, bien. Mais moi, je suis bien avec mon Volkswagen. Si je suis bien avec mon Volkswagen, je suis dans mon essence. Mais si je commence à t'envier parce que j'étais un Porsche, là, je suis plus dans mon essence, je rentre dans la tienne, puis là, j'ai des problèmes d'essence, de gaz. Tu te parlais au début de la conférence qu'on est marqué par, dans le sens qu'on a une programmation, on a un genre de déterminé. Est-ce qu'on peut reconnaître en quoi on est marqué? Au-delà de la crainte, est-ce qu'on peut savoir pourquoi on est marqué? Ou bien c'est un cheminement? Ou bien on doit considérer ça comme un cheminement d'une étape à l'autre? Il dit, c'est pas tellement que vous êtes marqué. Il dit, vous avez une mission de vie, ça fait partie de votre incarnation. Puis cette mission de vie-là, il faut qu'elle soit remplie. Le problème, c'est pas la mission de vie, c'est quand on commence à la comparer à un autre qui a une autre mission de vie. On a toute une mission de vie. On a tout un rôle à jouer à notre niveau, à notre échelle. Puis essentiellement, ce que l'homme doit être, c'est être bien dans sa peau. Si t'es bien dans ta peau, t'as plus de problème avec ta vie. À ce moment-là, ben, t'es maître dans ta programmation. L'homme ne sera jamais sans programmation. Tu ne peux pas être en tête et parler de programmation. C'est comme un computer qui n'a pas de software. Ça prend du software pour que le computer marche. Programmation, c'est la même chose. On a une programmation. Par contre, l'homme doit en arriver à être maître dans sa programmation. À ce moment-là, plus de problème. Fait que tu ne te sens plus marqué. On laisse une marque, mais on n'est plus marqué. Il ajoute à ce que tu viens de dire, ça. Il dit, quand on est insatisfait avec soi-même, il dit, c'est parce qu'on n'a pas tout, rempli notre casier créatif. On a un casier créatif. Autrement dit, on a un potentiel d'action dans la vie. Si on n'a pas tout rempli ce casier créatif-là, à ce moment-là, ben, on vit une sorte d'insatisfaction avec soi-même. C'est pour ça que c'est si beau, la jeunesse. Parce que quand tu es jeune, ton casier créatif il est wide open. Quand tu arrives à un certain âge, ben, tu n'as plus les mêmes énergies, tu n'as plus les mêmes forces, ainsi de suite, ainsi de suite.
Fait que ton gosier créatif est supposé d'avoir été suffisamment rempli. Si tu es bien rempli, mais tu fais une vieillesse intéressante, tu vieillis, mais tu vieillis pas, ton esprit reste toujours jeune. Mais c'est important que l'homme remplisse son casier créatif. Ça veut dire quoi, ça? Il dit, ça veut dire tout faire ce que vous pouvez faire. Un être humain qui, au cours des années, fait tout ce qu'il peut faire, ça va coïncider avec tout ce qu'il veut faire. Parce que tu vas pas chercher à faire ce que tu peux pas faire. C'est pas intelligent. Moi, je vais pas chercher à être banquier demain matin. Mais il faut que tu cherches à faire ce que tu peux faire. Tu regardes dans ton casier créatif, puis tu vas identifier ce que tu peux faire, puis tu le fais. Puis après ça, il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître, puis d'autres choses qui vont... Pas les choses que tu sais, mais les années passent, puis tu as eu une vie remplie. Mais difficilement parlant, vraiment, est-ce qu'un homme peut savoir ce qui va se passer dans sa vie dans 20 ans? Est-ce que c'est difficile pour un homme de savoir ça? Il dit oui, c'est légitime, mais il dit ça ne veut pas dire que vous allez connaître tous les détails de ça. Puis il dit ça ne veut pas dire que vous allez que vous aussi qu'ils vont vous révéler les données négatives de l'expérience. Moi, en 1972, 3 ans après ma fusion, je savais qu'un jour je bâtirais un club dans les îles. 72. Je ne connaissais pas personne dans ce temps-là. Je n'étais même pas en public dans ce temps-là. Un jour, il m'avait dit, un jour, tu vas construire un club privé dans les îles. Je l'ai fait. Je l'ai construit. J'ai souffert dedans. Du monde a souffert dedans. Ça l'a sauté. Puis c'était nécessaire que ça saute pour ne pas faire de sec, etc. Mais je l'ai fait. Mais ils ne m'ont jamais révélé les... Sans ça, ben, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de transmutation. Ma job, ce n'est pas de savoir... Le fin fond de l'histoire, ma job, c'est d'être capable d'atteindre les buts que je me donne. C'est ça, ma job. Puis dans ce processus-là, de le faire sans crainte. Donc, c'est impossible de savoir réellement ce qu'on va dire. Il dit, vous seriez toujours en déprime. Faut être libéré de... À un certain niveau de nos émotions. Moi, je sais quand est-ce que je vais mourir. Là, je suis encore assez loin. Là. Quand j'étais bien, bien malade depuis 6-7 ans, c'est encore assez loin. Mais il va venir un jour que je vais être proche de cette affaire-là. Là. Quand je vais être proche de cette affaire-là, il ne faut pas que je panique, parce que je le sais d'avance. Mais je suis moins émotif dans le mental que l'homme en général. Fait que pour moi, savoir que c'est à ce stade-là, ben, au moins, je vais rentrer là-dedans de bonne humeur. Mais l'homme a trop d'émotions dans le mental. Connaître l'avenir, c'est pas bon. Pardon? Bonne question. Il dit, les buts que vous donnez, c'est des buts que vous voulez scorer, mais il dit, ça ne veut pas dire que vous allez les scorer, mais il dit, au moins, pendant que vous avez des buts, vous vous mettez en mouvement. Ça, c'est bon. C'est ça qui compte. Faites-vous-en des buts. Ça marche, ça mène à d'autres choses. La vie, c'est un processus, c'est un continuum. Moi, ils me disent tout le temps, votre vie, ce n'est pas de vos affaires. Je me demande tous les genres de réponses qu'ils me donnent. Ma vie, ce n'est pas mes affaires. Ça veut dire que vous en savez l'un de même, puis travaillez avec ça. Le fait
fait que tu portes une réponse comme ça, comment ça t'aide à aller plus vite dans ta vie? Ah, ben c'est sûr. Ben c'est sûr. Moi, me faire dire par eux autres, me faire donner des réponses aussi plates que ça, c'est pas tes affaires, là. Pour moi, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça m'enlève toute angoisse. Pardon? Non. Ça porte à te mêler tes affaires au niveau de l'ego. Pas pareil. Pas pareil. Pas pareil. Tu fais ce que tu as à faire au niveau de l'ego. Tu peux jamais croire là, que tu es fait. Tu peux pas faire confiance à la culte. C'est mauvais, la religion. Ça, c'est la grande illusion des occultistes, des ésotéristes. Faire confiance à la culte. Tu fais pas confiance à la culte. Tu peux faire confiance à la vie. On ne fait pas confiance à la vie. On se fait confiance à soi-même. La vie fournit le reste. Les gens qui font confiance à la vie se font automatiquement mettre en initiation à un niveau ou à un autre. Tu ne peux pas faire confiance à la vie. Mais comment tu peux relaxer en ayant une réponse comme ça? Tu ne fais pas confiance à toi. Tu fais confiance à toi. OK. Malgré le réponse. Malgré le réponse. Mm-hmm. Moi, il me donne des réponses simples comme ça parce que je connais trop les lois occultes. Fait que comme je cherche pas d'être supporté psychologiquement par eux autres. Je me supporte ça. Quand je tombais malade, je disais, je suis malade? Je disais, non. Une bonne réponse. Je suis mourant, elle me dit, je suis pas malade. C'est que tu veux, la médecine ne donnera jamais une réponse de même. Il ne faut pas me plaindre. Éventuellement, tu en arrives à pouvoir dire avec eux autres, tu sais comment ça parle, tu connais leur psychologie. Finalement, c'est comme. Tu commences à. Éventuellement, tu en arrives à avoir une bonne science de l'occulte. Quand une bonne science de l'occulte, mais là, tu peux, techniquement, en parenthèse, te fier sur eux autres, puis encore. Puis encore. C'est vibratoire, ça. Quand tu sais, tu sais. Ils deviennent simplement un partenaire. Puis toi, tu es paratonnerre. Regarde ce qu'il dit. Tout revient à vous autres. Si vous fiez à nous autres, vous êtes faits. C'est l'histoire de l'humanité, ça. Pourquoi est-ce que l'homme n'a jamais eu d'identité? C'est toujours fier à eux autres. Dans le passé, c'est à travers les religions. Plus tard, mais dans l'évolution, au niveau du contact avec le plan mental, ça va être dans l'inexpérience occulte de l'homme. Et un jour, l'homme va comprendre. À toi. Mais si à soi, ça veut dire à soi-même, ça veut dire quoi? Pas avoir de crainte. Fait que ça revient à la même affaire. Quand on n'a pas de crainte, plus de personnes, plus d'un autre, sont là comme partner, comme tu dis. Ils ont un rôle à jouer avec l'homme, chaque individu. Chaque individu a un partenariat avec sa source. Moi, j'ai la mienne, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Ça, c'est mon partenariat. C'est le seul domaine où je suis réellement là, maître, si tu veux, de ma conscience créative. The best. J'ai pas d'égal là, ça c'est sûr. Mais comment tu établis l'équilibre entre toi et eux autres? Donc, quand ils font équipe, comment ils peuvent parfois dire OK, t'es qui? Qu'est-ce que tu sais que tu vas toujours écrire ou que tu peux toujours écrire? Bien, je peux toujours écrire parce qu'il y a une loi culte qui dit que quand les plans donnent à l'homme, ils ne peuvent plus retirer. C'est une loi culte. Moi, je me rappelle en 78, quand j'ai commencé à faire des conférences, j'ai commencé à faire des séminaires, puis j'ai commencé à parler là, librement comme je parle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a pris une couple de semaines à m'habituer. D'ailleurs, je leur avais dit, j'ai dit, d'un coup, vous arrêtez un jour, vous décidez un jour d'arrêter de me plugger, de me canadier. Puis il m'avait répondu, quand le travail est fait, les corps sont subtils, sont ajustés, ça continue. Une fois que la radio, autrement dit, est syntonisée à la source, ça continue.
Alors ça, ça ne sera pas intelligent. Et pourquoi c'est bon aussi le fait qu'ils donnent quelque chose à l'homme? Pourquoi ils sont donnés pour un besoin quelconque, créatif? Pourquoi ils se sont basés pour dire bon, avec toi, il y a un contact équilibré qui s'engendre? Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ma programmation, ça fait partie de mon travail, ça fait partie... C'est pareil pour tout le monde? C'est pareil pour tout le monde. C'est la seule chose, c'est que c'est difficile pour eux autres de contacter l'homme. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'évolution, ça va être long. Ça va se faire au cours des générations, au cours des siècles, lentement, graduellement, que l'homme va devenir télépathique avec eux autres. Ça, c'est la première étape. Éventuellement, l'homme va pouvoir aller voir, parler avec eux autres. Ils vont se matérialiser. Là, ça va amener à une autre civilisation. Ça va amener l'homme en contact avec des niveaux de conscience et de science qui aujourd'hui font partie de la science-fiction, qui ne doivent même pas être expliqués en public. Anyway. Autrement dit, les mystères n'existeront plus, puis la conscience des mondes va être totale, l'intégration des mondes va être totale, la relation entre le système solaire et d'autres systèmes solaires va être établie, il va y avoir des gouvernements intermondiaux, il va y avoir toutes sortes de choses. La civilisation continue, la vie continue. L'exploration des espaces continue, la modification des processus de transport continue, la science continue, ça n'arrête pas la vie. La vie, c'est un continuum. Nous autres, on voit la vie la science sur une base de 100 ans, la science sur des bases de milliers, puis de centaines de milliers d'années. L'homme va dématérialiser son corps, l'homme va atomiser ses corps subtils, l'homme va passer d'un espace-temps à un autre. Les théories einsteiniennes du temps vont être dépassées. La théorie de relativité ne sera plus utile. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça n'a pas de fin, la vie. Le problème de l'homme, c'est qu'il y a une conscience subjective qui réfléchit, et cette réflexion-là est basée sur le fait qu'il est issu d'un marasme astral. Le marasme astral, c'est le plan de la mort. Quand l'homme sera libre du plan de la mort, autrement dit, libre des entités astrales qu'on appelle des guides spirituels, l'homme sera simplement connecté à sa source, puis à ce moment-là, il y aura une conscience intégrale, vivra une certaine unité avec les plans, puis à ce moment-là, bien, il sera dans un processus d'évolution extrêmement rapide, puis il ne pourra plus vivre sur la Terre en relation avec la conscience commune de l'humanité. L'homme n'appartiendra plus à la conscience, à la mémoire de la race. L'homme appartient à une autre race, il créera une autre race. Puis éventuellement, l'homme ne pourra plus vivre dans un corps matériel parce que son taux vibratoire va être trop élevé. À ce moment-là, il va passer une conscience morontière. Il va rentrer dans une évolution jupitérienne. Le contact avec d'autres niveaux de civilisation va se faire. Des choses qui, aujourd'hui, peuvent simplement faire partie de la science-fiction. La vie, ça n'a pas de fin. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent, la vie, c'est l'explication des mystères. Les mystères, ça ne devra jamais exister. Un jour, ça n'existera plus parce que l'homme ne sera pas gay. Pourquoi est-ce que ça existe, des mystères? C'est parce qu'on vit dans une dimension, puis on n'a pas de contact avec les autres dimensions qui sont le fondement de notre existence, de notre réalité, autant personnelle que civilisatrice, que planétaire, que solaire, que cosmique, ainsi de suite. On est réellement dans une ignorance fondamentale. Puis ça, ça fait partie de la première fondation de l'homme. Puis un jour, l'homme va rentrer dans sa seconde fondation. Quand il va rentrer dans sa seconde fondation, l'homme ne pourra plus voir la vie comme il y a aujourd'hui. Ça va être une nouvelle évolution. Comme moi, je ne pense pas. Moi, je ne peux pas penser. Autant...